France Musique. Bonjour Christophe Chassol. Bonjour Saskia. Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'un soldat de Ennio Morricone. Je présente lui Ennio Morricone, compositeur italien de musique de film, 500 musiques de film, ses collaborations avec Sergio Leone et son récent Oscar pour The Hateful Eight avec Tarantino. Mon génie, voilà, qui ce film, enfin la scène que je vais vous faire écouter, la musique que je vais vous faire écouter, elle est dans ce film Le Bon, la Brute, le Truand de 66, dont on entend le thème principal en ce moment là. Voilà, on entend des sifflements, il y a des bruits de coyotes, il y a des chanteurs qui imitent toutes sortes d'animaux, des orchestrations vraiment assez inédite et voilà, un thème qui a traversé toute l'époque du tout le XXe siècle. Voilà. Donc ce film, c'est l'histoire de trois cyniques qui cherchent un chargement d'or pendant la guerre de sécession. Et la musique est tellement importante dans ce film que j'aurais dû vous en faire écouter beaucoup d'extraits. Bon, par exemple, il y a l'Extasi del Oro, l'extase de l'or. C'est le moment où Tuco, le truand, découvre l'or dans le cimetière de Sadil. Donc on écoute. Bon voilà, donc la scène dont je veux vous parler, c'est le morceau dont je vous parlais, s'appelle l'histoire d'un soldat, c'est pas l'histoire du soldat de Stravinsky, mais c'est l'histoire d'un soldat, elle me touche particulièrement parce que pour plusieurs raisons, donc ça évoque déjà ça évoque Noël, on est proche de Noël, il y a des cors, il y a du célestat, des cloches, il y a des cœurs d'hommes, c'est une espèce de ballade hyper poignante sur les soldats qui sont tombés en fait. Mais ça me touche aussi parce que ça parle du contrepoint en musique de film, c'est-à-dire les moments où on a des scènes très violentes mais une musique très douce. Donc c'est hyper effectif en musique de film, c'est-à-dire que vraiment ça, bah voilà, ça c'est le contraste. Et là c'est une scène de torture, c'est Tuco, le truand, oui, qui se fait torturer par Sentenza dans un camp de prisonniers et l'orchestre doit jouer au moment pendant qu'on torture les prisonniers. Et plus l'orchestre joue fort et plus Wallace le tape fort en fait. Et donc voilà, c'est une scène de torture qui est hyper dure, mais l'orchestre c'est hyper émouvant. On va écouter avec les extraits du film. Pour comme ça on va entendre aussi les points. Voilà, on écoute. You'd better talk. I have nothing to tell you. Bon, la scène, c'est une alternance entre l'office où se fait torturer Tuco et l'orchestre, qui joue flûte, harmonica, grosse caisse, trombone, violon et chœur. On va entendre le violoniste s'arrêter de jouer. Il vient de s'arrêter de jouer et on lui demande de rejouer, de jouer plus fort encore. Et on va entendre le thème. Ok, bon, comme on n'a pas beaucoup de temps et que je voulais vous faire écouter pas mal de choses, je voulais quand même vous faire écouter la version sans les dialogues pour que vous vous rendiez compte un peu de la beauté de la chose. Et ça dit « Bugles are calling from prairie », genre les clairons résonnent de la prairie au rivage, « Signez, engagez-vous et marchons à la guerre, tout l'espoir semble parti tandis que le soldat marche pour mourir ». Ça pendant une scène de torture, donc c'est encore plus poignant. Voilà le contrepoint en musique de film, Ennio Morricone, génie, Sergio Leone, un des meilleurs films qui soit. Merci beaucoup Christophe pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.